Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Si proverbe créole l'a dit, la fumée pas jamais levé sans diffait. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, après la police, t'es fin mette lisse yon équipe policier que yon ap cherché qui fait partie des groupes criminels, terroristes, fantômes 509 là, eh bien, lisse là, lui-même, li augmenté. Ça vient fait que un pile policier sorti dans silencieux pour dire non à sa cap passé à, et on fait gros déclaration sûrement un pile bagay qui pral passer dans jou cap vini yon là, parce que yon même, yon pas prêt de garder la police cap sorti à vide recherche sous yon consent tandis que yon pas participer nan anyen. M'bral bon plus détail talé comme ça. Les États-Unis, plus précisément président Joe Biden, président démocrate là lui-même, li décide mette yon frein avec moun k'ap traversé nan frontière Mexique là a fanfilé pour entrer nan pays les États-Unis sous prétexte donc nous connaît depuis les Joe Biden nan campagne et bien il te dit tout moun ki sou TPS ki illégal, yo pral jwenn papier. Ça vin fait que tout moun a pote bourré. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça passé. Joe Biden sorti nan kansol, elle parle ensemble avec toute nation sous la terre qui pense pral entrer les États-Unis sans papier. De toute façon, rale ti chèz ba ou chita confortablement, m'pral bon tripota yo nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout moun, comment nou ye? Encore une autre fois, m'a dit merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou avec patience. Merci parce qu'on like et merci parce qu'on abonne et merci tout parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Ses amis Pao Foucault. Maintenant là, nous avons eu chance de présenter un petit compte et compte ça qui c'était qui ça les lap marcher, les marcher ensemble avec elle aime camper, les camper ensemble avec et bien c'est sandales qui dans pied ou marcher, li marcher, kou camper, li camper. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, mes comptes pour chercher éléments de réponse nan pour nous et pas oublier quitter commenter pa ou qui c'est habillé sans sortie. Habillé sans sortie, quitter commenter pour là, ça fait nous plaisir en pile en pile. Donc, dossier fantôme 609 là, commence by gros tête chargée dans la République. Tout moun ap rale koyo, comme nous connaît mal pa kon gemet. En pile moun ap di, c'est pa yo, surtout policier yo, ka pleye et moun ou pa ta pense, mes amis, n'a mande, est-ce que, et nous connaît monsieur ça, lui-même, madame Nite ki del pou a fait pa bon policier ça, qui rele lundi Jean Edler, qui sont membres actifs fantôme 609, c'est ça la police déclaré, yon reproche de assassinat, tentative assassinat, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, destruction des biens publics et privés. Yo continue l'isla tout, mais yon nan bagay ki tapral attire attention. Nous, c'est policier ça qui rele lui, Ludner, lui-même, qui c'est yon policier qui était attaché ensemble avec ancien magistrat Port-au-Prince, qui c'est Youri Chevry. Nous connaît lui-même qui prend la poudre des scampettes après la police. T'es fin la guerre, on a vu des recherches derrière pour même dossier fantôme 609 ça. Eh bien, policier ça, inspection générale, c'est ça qu'il déclarait. Et puis tout, il y a été ouais que le pas coupable et rapidement il a été révoqué le tourné à le travail côté dans commune la travail là et jusqu'à présent li dans commune ni et non seulement ça tout le déclarer les bagages fantôme 609 là li pas même dans Port-au-Prince bagages ça pas passé et bon côté le même comment fait la police sorti avis de recherche derrière donc madame mademoiselles et messieurs m'a invité au temps d'elle et n'a tourné avec plus de détails pour vous aller comme ça. Bon, nous avons vérifié ça, nous ça, c'est commissaire à Côte de Fer, machine ça écrit, et nous commissaire à Mila. Et que hier soir, moi, je recevais un message côté que j'ai accusé que je suis un membre fantôme 609, suite à un incident qui passait hier dans la rue Port-au-Prince. Et pour bien dire, nous, moi-même, depuis lundi, je suis en poste, moi, je travaille. Moi, c'est policier Ludner Louis, et que j'ai accusé de membre fantôme 609. Pour moi-même, c'est un héros qui passait dans l'administration. Ça fait me dire que c'est un héros parce que j'ai fait déjà. Il a été convoqué, mais il était tandem. Il a vérifié que je ne suis pas coupable, je ne suis pas fautif de ça. Il a accusé, ça a dit que je suis retourné à travailler dans le poste calmement. Et actuellement, je suis toujours venu travailler. Et ceci, si ou bien je connais, si un policier font des ordres, ou bien deux bails pour consulter. Ou bien pour consulter les gens qui sont responsables côté de travail là, avec mes courants là. Ok? Bon, comme nous regardons là, nous avons essayé de faire le commissariat mieux. Ça, c'est là où il y a. Ok? C'est là où il y a. Ça veut dire que je suis côté de faire pour le moment. Et ceci, je suis plus que 8 jours depuis mon code de fer, ma travail.
ma petite communauté. Et note qui sorti, moi démenti parce que j'ai preuve. Et ceci m'a dit pour tout staff la police, tout staff ou commandement la police, là, pour vérifier dans la base de données pour qui côté m'a travaillé, les responsables côté m'a travaillé, m'a dit est-ce que m'en poste moi, est-ce que l'activité a passé, est-ce que m'étais toujours dans poste moi, c'est-à-dire moi-même m'ka confirmé à 90% fois que Fantôme Section 9 a pris la rue, m'ai toujours côte de fer, m'ai toujours dans poste moi. Ou quoi c'est causé dans le pays ça? Eh bien voilà. Donc, question à poser avec dirigeant, plus précisément inspection générale la police, est-ce que si on moun rapproche de yon l'autre, ça veut dire moun nan complice pour ça? Donc, moi pense que yon fait suivi pour que yon capable de jouer plus d'informations, comme li zil ge preuve à la main. Donc, que li ale nan inspection générale pour le connaître. Qui s'est passé? Qui fait yon reprocher de tout bagay sa yon? Eh bien, lis par là, mesdames, mademoiselles et messieurs. Ça yon dit pour lui, c'est assassinat, tentative assassinat à tête de la sûreté intérieure de l'État, destruction des biens publics et privés. Donc, dans ce sens, ça, est-ce que monsieur t'a participé dans cause sa yon? Tout bon vrai. Donc, si inspection générale est là, l'important entre que policier pour aller bail détail pour que ou lave tête ou si ou patte là-dedans, m'pense que tout, la police lui-même l'a continué à faire enquête pour mettez vrai moun yo, vrai moun ki participe nan dossier krasé brisé nan la ria pour que innocent pas passé pour coupable. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, ça qui est très très important pour qu'on ait, c'est que ton Joe Biden lui-même, lui sorti nan kansol. Bagay la pas facile pour haïtien même. Nous songe les Joe Biden pose candidat, les la visiter. Si Haïti qui c'est Miami, mes amis, mon yo c'est woe ton Dieu, adieu ton Dieu, c'est où même moi t'ap cherché, aïe jodi à nous délivrer. Parce que Trump t'a déjà dit yo, pas de catastrophe naturelle, pas de persécution, pas de insécurité dans le pays, nous, tout le monde ramasse paquet, nous, bam, terre blanche, rachez-moi, yon coup, lague pion, parce que moi, pas accepté, prends ou là, encore. Qu'on y a là, les Joe Biden monté, il était déjà promet, yo, eh bien, tipiye ça, qui t'est commencé depuis sous président Obama, eh bien, il pral changer, là, tout le monde pral gué papier, ti kat licence, ou pral ka fonctionner à l'aise, dans le pays, les États-Unis, crec, ou qu'on kote bagay la belle, même dire, les gens pays d'Haïti te qui t'en prennent bagay ça c'est avec Trump qui supporte Jovenel qui fait le sous-pouvoir toujours oui et bien coup Joe Biden monte son nouvelle administration donc ça veut dire que pas qui pour chéri doudou Jovenel a pas terre Joe Biden non pas en favel c'est à Trump et républicain en a fait bien journée jodi a Jovenel still bel et bien sûr le pouvoir. Le pouvoir qu'on dit, je sais pas, le ou la pouvoir, donc le pouvoir et la pouvoir. Donc, en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, Joe Biden déclaré, pas quitter village ou, ville ou, communauté ou, rechita la caillou, et dégage ou, fait la caillou, on peut rete la caillou. Donc, je ne j'en dis, à nous capables de remarquer sur tout réseau social, qui va les haïtiens qui marcher à pied, traverser 4-5 pays, en voyant aussi arriver sous frontière Mexique là, pour y'all tomber les États-Unis. C'est pour un petit bagage facile. Non, gué, couleuvre manger bête sauvage, qui mange tout en bas forêt, tout en rage, parce que matin, midi, soir, marcher. Donc, pour y'all aussi arriver dans le pays, côté l'état miel à couler, à côté Jésus en personne, y'a, est vrai. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça, Trump tap dit lui-même, l'a dit, l'a voué tourner. Eh bien, pendant Joe Biden lui-même, lui monte là, il y a plus moun qui déporté par rapport avec Trump qui était là, qui c'est républicain. Pas oublier républicain lui-même, youn avantage gen la kay li, li pa trait. Sa l'abdoula, l'abdouli très direct et l'abdouli nan boule figou. Donc li pa remon, li pa remon. Mais démocrate la gonjan, yo ka comment yo konre le bet sa yo? Chien mort dans trait, yo trait on en pile, Yo a moutro c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est la démocratie. Pourtant yo pidi. Et ratement des souffle yo, yop vou aller pi red. Eh bien, Joe Biden reste 6 bagay la, 3 pouli, el pa ka 6 protège moun yop debake, li fe figil bien mal, li di, pa kite village ou,
pas quitter ville ou communauté ou donc rete la caillou tant pri souple les États-Unis pas qu'a prendre nous tout ça rete la caillou nous pas prendre l'autre encore et ceci dès pourtant Delphine fait déclaration ça m'pas cacher dou bagarre la pas pral trop douce pour moun les États-Unis puisque yo vide pas pile et pas paquette si tout pour haïtien cap dégager au fond filet pour rentrer parce que autant des gen barrière libre Joe Biden a bay tout papier et bien yo font gens pour yo gitan fond filet la gen koyo yo façon pour capable gen statut légal était vrai pareil comme nous donc c'est pas seulement moun qui a traversé frontière qui prend un poisson d'avril et bien même dirigeant pas Borisite yo tout yo prend un poisson d'avril n'a fait place à Voix de l'Amérique presse information nationale et internationale. Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doit compte toute sa cap passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travail là, capable avancer. Zami Pao Foucault. Et ça t'a fait l'affaire de la sélection de Belize et malheureusement nous pas joindre Kalomasse tant qu'on était fin planifié ça avec. Ça fait partie de difficultés au niveau technique, au niveau téléphonique. Mais nous avons Sandra et Dominique avec nous. Sandra, tu as suivi le dossier ça pour nous. Et malheureusement, tout contact que nous essayons de joindre pour nous joindre une réaction FIFA et l'autre entité encore. Mais ça difficile. Sandra, sort qu'a dit nous, sort joindre, même s'il doit dit. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir, tout le monde. Pas quoi les petits, mais c'est eux-mêmes qui va dire, l'homme qui dit, ça me gagne. Donc, premier bagage, moi, t'as même dit, c'est que l'équipe Belize, là, publié une déclaration sur ce qui passe à Haïti. Hein? Donc, t'as commencé par dire, auditeur, nous, avec téléspectateur, nous, qui ça, et déclaration, ça a dit, brièvement, il dit, Fédération Football Belize, là, les exprimer, j'en ai déçu avec dégoûté après incident regrettable que Jaguar a été confronté dans le moment où l'équipe a tapé sorti à l'aéroport pour aller dans l'hôtel matin. Donc, il a parlé de hier matin, lundi. Malgré quatre policiers qui accompagnaient l'autobus équipe, là, un groupe rebelle avec ZAM, non, mais yo, qui était sous motocyclette, a forcé l'autobus là. Rester sous route là et puis négocier avec eux pour quitter autobus l'an passé. Situation ça, c'est une situation équipe là pas jamais doué confronter, ça c'est ça déclaration dit. Mais nous content rapporter que Jaguar yo t'est arrivé sain et sauf dans hôtel là. Et après ça, Jacqueline, moi t'ai essayé ouais réaction équipe Belize là. Donc, yo te bay interview avec une station télévision Belize qui est le Channel 5. Gagnent un joueur défense qui est le Ian Yellow Gainer. Et lui raconter ça qui est passé. Il dit que pendant que, premièrement, il décrit qui gens que yo te gagne gros cœur sauté et c'était vraiment, il décrit ça comme un terreur que là, yo wè, que y aura les âmes sur l'autobus là. Et il dit que messieurs qui étaient en yo pas connaît ça qui a passé, seul bagaille était ouais, c'est gain deux policiers haïtiens devant, deux policiers haïtiens derrière et puis il y aurait monsieur Sayo a sous motocyclette vinn river sous autobus et puis longer zam sous yo et il a raconté qui gens que il était peur que messieurs ak zam yo t'a pral entrer dans autobus là, yo pas connaît qui ça t'a pral fait et que pendant va ça t'a déroulé, gagnait quelques dangereux yo qui t'a filmé avec téléphone mobile, yo, bien entendu, et que le monsieur sous moto yo de Wessa, yo te dit monsieur, yo te pointe longe les armes sous yo et yo dit yo suspend filmé, suspend filmé. Donc yo dit dans moment ça, yo te obligé gain la gain te gain une espèce de rideau bon fenêtre, yo te râlé rideau à fermer. Hein? Et puis, ils ont dit que leur conseil au peuple, parce que pas qu'on est si, mais si vous parlez, entrez dans l'autobus, là, ou bien vous pas entrer. Finalement, nous connaissons pas entrer dans l'autobus, là, et que vous quitté l'autobus, là, aller. Et puis, gagnez un responsable et équipe là, tout, Jacqueline Formdio, qui fait qu'on est, dans l'interview que Libye, station télévision Belize, là, que vous demandez pour, et je
match n'a pas joué en Haïti parce que il était vraiment vexé que ça arrive yo, que ça pas jamais doit arriver yo. Et il dit que l'équipe l'a tellement terrorisé par incident ça que yo pas quand même focalisé sur match là avec préparation pour match là. Donc mais perspective ça comme capable ba ou de monsieur Belizio, faut me dire que nouvelle ça très intéressé tout Jacqueline public américain hein, et il y a plusieurs chroniqueurs sportifs américains que en pile monde connaît qui mettait nouvelle ça sur Twitter, gagnait ESPN, un plus grand réseau sportif américain et tout qui était ba nouvelle là. Donc moi quoi que c'est une nouvelle qui non seulement intéressait Haïtien, mais c'est une nouvelle qui intéressait le monde kounyen. Et Sandra Mwenge avec moi et tout soulignant, yon responsable et Fédération Haïtienne Football, c'est pas Carlo Massin parce que Carlo Massin très occupé avec et membre FIFA qui actuellement en Haïti. Nous gagnons responsable Fédération Haïtienne Football et l'a dit nous non et puis l'a poté qui dans le développement que le capable poté pour nous. N'attendo. Bon, bonsoir. Moi-même, c'est Tessieu Gentil, c'est responsable de la communication et Fédération haïtienne de football. Malheureusement, M. Maslin, pas capable de répondre nous à un moment. Moi-même, je ne suis pas capable de répondre nous tout, puisque j'ai une réunion extraordinaire qui a déroulé actuellement à l'hôtel Marriott. Il y a les représentants des deux équipes, représentants Haïti, l'équipe Belize, mais également le nouveau commissaire et de la rencontre. Et qui est même sorti dans le pays Barbade, parce que le premier qui a été désigné, premier commissaire qui a été choisi pour match là, l'étape sorti dans le pays et la Dominique. L'étape est arrivé dans le pays États-Unis, Miami, Florida. L'étape est volé pour un vol matin. Bon, l'étape un petit peu effrayé par l'image que l'étape voyait. L'étape est renoncé à rentrer en Haïti. Ce qui fait que, automatiquement, responsable FIFA et CONCACAF, c'est désigné un nouveau commissaire qui arrivait à Port-au-Prince ce matin. Nouveau commissaire là qui sortit dans le pays Barbade, lui-même c'est un ancien militaire et c'est spécialiste dans affaires sécurité. Il travaille dans affaires sécurité pour la FIFA. Donc c'est lui-même qui est actuellement en réunion avec les deux parties, que ce soit Belize ou encore Haïti. Donc, ce qui arrive. Mm-hmm. Oui, oui. Donc M. Gentil, après réunion, ça n'a pas connu. Est-ce que match là est capable de jouer dans Stativo 14 ou bien réunion, nous pas connaît immédiatement et si match là est capable de jouer. Donc quand Livini comme commissaire, mais également pour faire évaluation sur et conditions sécurité dans Port-au-Prince, si match là capable de dérouler ou pas. Donc maintenant, Jean-Claude Sotdilia, en rien pas capable de sortir dans la presse dans la réunion que lui fait là. Là, justement, tandis les deux parties, d'ailleurs, depuis le Vini Port-au-Prince, l'a observé, il a fait tour dans la capitale là pour faire évaluation de situation. Là, juste, voyé rapport li by CONCACAF et FIFA. C'est à travers rapport li que FIFA li pourra sortir en communiqué autour de rencontre là. Et, M. Gentil, nous connaissons qu'il y a un événement comme ça, il y a un incident comme ça, il y a un impact sur Belize, mais il y a un impact sur 11 national là. Tout qui genre 11 national là, il y a qui esprit que oui. Bon, ce qui arrive au national là, et monsieur là, il est bien concentré et sur sujet yo, parce qu'on connaît et pour la plupart, ce sont des joueurs et qui sortent et à l'étranger pour venir en Haïti. Et en plus là, il arrive matin, il pas même connaît ça qui est passé parce que depuis hier, il y a un voyage, il a quitté l'Europe, il a voyagé, donc il n'y a pas trop connaît et ça qui est passé et en Haïti et à l'équipe Belize là. Donc il y a 6 joueurs et qui arrivent matin. Et gagner 3 joueurs et qui a privé demain, ils sont sortis beaucoup plus loin et en Arménie, on a parlé de Donald Guerrier, on a parlé de Sonny Moustiva et également de Alex Christian. Mais tous les joueurs sont concentrés pour offrir et public la victoire là. Mais et tout de même, c'est un choc et là que et Monioué et image là et ça qui arrivait là. Et faut que nous disions et situation sécuritaire là en Haïti, nous connaît que l'IPA est au beau fixe. Et c'est surtout M. Belizio et il n'est pas habitué dans ce genre de situation sérieuse parce que, et désolé de le dire, mais c'est un peu notre réalité, quoi. Ouais. Donc, ça a effrayé la délégation Belize là parce que tout simplement, il n'est pas habitué dans cette situation sérieuse. Mais nous croyons que ce n'est pas la première fois que nous rencontrons un football pour jouer et en Haïti qui a de très grandes difficultés. C'était pratiquement le cas en mars en 2019.
Lè ke Haïti ta vè dernier match li avèk Cuba avan ke li te ale nan Gold Cup kote ke li te rive nan demi-final. Peyi a te au bord de l'explosion et Fédération a te mené en campagne de communication kote ke li te sollicité et de tout protagoniste yo en couloir pou rencontre la capable et déroulé Jean qui dit dans langage de guerre là et couloir humanitaire pour capable et gagner et porter secours et dans la guerre c'est même langage ça fédération a été utilisé que lui encore est utilisé en pile monde prend conscience et malheureusement c'est arrivé hier et c'est peut-être sacrivé hier là avec appel que fédération a continué à lancer qui fait que c'est le calme plat à Port-au-Prince. Nous gagnons en Port-au-Prince tranquille aujourd'hui. Hein, et nous t'as souhaité et la vie a continué comme ça, la situation politique a continué comme ça, jusqu'à ce match de football-là finir déroulé. Et je dis, si jamais FIFA lui-même n'a pas changé l'idée par rapport à match ça. Ok, et merci. Merci, M. Gentil. Ma bon 30 secondes encore, et parce que là, ferme la guerre, même t'as tout remondi, si Johnny Placide là. Oui, Johnny Placide là, Hervé Basile là. Okay. Ça qui complique la situation, on pas oublier que par rapport à un incident qui est arrivé dans la finale championnat national entre Violette et Arcaïe. Donc, CONCACAF a déjà pris une décision sanctionner club haïtien pour ne pas recevoir match en Haïti. C'est seulement sélection hein, qui était autorisée à jouer dans le pays. Hein. Voilà que pour une rencontre internationale qui concerne les sélections, il y a un incident pareil qui arrivait. Donc ça vient de faire que t'es déjà une charge hein, et contre Haïti qui fait situation beaucoup plus compliquée. Mais n'attendre ça qu'à sortir et qui décision FIFA prend après réunion. Merci M. Gentil, Tessier Gentil, c'est responsable communication dans la Fédération haïtienne football là. M. Gentil n'a pas qu'un contact et pour l'autre développement qui gagne ou t'es sous la voie de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington d'ici, c'est rendez-vous. Info, nous dit Sandra, merci tout. N'a pas loué l'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Eh bien, porte-parole et avocat syndicat police nationale SP17 là réagit après avis recherche contre plusieurs membres structure Domont Saint-Cyr. C'est porte-parole SPNH 17. Yo révoqué les ovlés. Yo et mettez avis de recherche des moun les ovlés. Yo pas jamais voulu entrer dans la logique. Les que pour révoquer un monde, faut que bah monde non et reconnaissance légale. On prend pour faire qu'on est que ou révoquer. Donc nous quand fil bagay pour nous t'a dit. Mais nous voulons écouter nous ça n'a dit pour ne pas trop pour ne pas aller trop long. N'a demandé international là. Tout syndicat dans monde là. Pour yo camper avec SPNH 17. Pour yo gagner un regard sous ça qui a passé là dans le pays. Yo pas voulu nous réclamer droit nous. Mais nous-mêmes, quand camper aujourd'hui pour une conférence de presse là, c'est parce que nous dit nous pas peur, nous pas peur et nous pas jamais peur. N'a camper pour une bataille policier pas qu'on peur. Nous pas jamais suspendre et pas gain rien qu'a fait nous faire bac sous ça. Nous pas faire bac pour rien au monde sous réclamation cadavre policier yo. Nous pas faire bac sous et révocation, démission, arrestation alors, démission et arrestation pour tout le monde qui était non et depuis la conception opération jusqu'à matérialisation. Faut que tout yo payé. Pas seulement IG Calanri Boucher qui pour payer, c'est pour yo tout yo payé parce que yo tout était là. Les que policiers étaient en dans village de Dieu pendant 4 heures à crier secours pendant 4 heures avec des cris de détresse pendant 4 heures il y aurait l'homme mort en face DGPNH à Copiel Radio A DDO Copiel Radio A DCPA Copiel Radio A Boyd Copiel CP Boyd Copiel Radio A commissaire votre président il y a tout il y a Copiel Radio A mais il a été choisi quitter policier ou mourir c'est que plus gros criminel que yo c'est que plus gros méchant que yo. Et puis c'est nous-mêmes, journée Jodian, que vous considérez comme méchants. C'est nous-mêmes, journée Jodian, qui a défendu nous, que vous considérez comme criminels. Domont Saint-Cyr, c'est un porte-parole PNH 17. Et dans l'occasion, ça, il dit que vous pas fait partie de Fantôme 509. Gain réaction tout. Jean-Fritz Magny, qui c'est avocat SPNH 17, lui-même tout, qui a eu difficulté avec la police dans le moment qu'il a pas cherché une autorisation pour sitting qui était de fait
matin là, monsieur Jean-Fritz Manier. Matin, comme nous connaissons, c'est pas ton confiance qui t'a baillé. Matin, c'était un sitting qui t'a gagné. Étant donné que monsieur nous obligé de mettre à couvert, c'est genoux, coordonnateur général, nous, il parle à Cognal, il est obligé à couvert. Alors nous conseillons, monsieur, vous êtes à couvert, nous avons même 5 à 6 policiers, il y a persécuté la Cognal. Nous allons faire ce que de droit pour nous attaquer en justice. Bien que nous connaissons, la justice n'a pas la donne Cognal, mais étant donné nous-mêmes avocats, c'est à ça que nous marions, nous allons faire quand même. Bataille ça qui a mené là, je voulais faire nous connaître que ce n'est pas bataille SPNH, c'est une bataille politique, c'est une bataille pays. Moi-même qui ai une spécialisation dans la sécurité et la stabilité d'une nation, ou même si nous voulons, nous avons longtemps, nous avons prêché, nous avons dit qu'il faut que nous retirions la police de la politique. Voilà que nous ne pouvons pas attendre de nous. Mes côtés nous tombent là, pays allié en danger. D'ailleurs, je vais expliquer nous d'abord pour nous comprendre. C'est quoi le rôle de la police dans une société démocratique? Le rôle de la police dans une société démocratique, c'est de gérer une population, d'administrer une population à travers deux fonctions principales, le service et le contrôle. Mais pour ce faire, la police doit demeurer libre. Libre. La police doit débarrasser de toute ingérence politique, idéologique, quelque chose sans d'avenir. L'essentiel, nous-mêmes, nous avons un travail de police, c'est ça que nous demandons, population, accompagner SPNH dans sa liée. Parce que si SPNH a une victoire, c'est victoire pas nous la pied, c'est victoire population la pied. C'est pas fait partie politique qui a prévu là. C'est à faire une police qui est là pour garantir l'ordre dans la société. Voilà que nous avons des accapareurs qui viennent dans la tête de police. Ils mettent ensemble avec l'exécutif pour détruire la population. Donc c'était Jean-Fritz Manier qui est avocat SPNH 17 qui sont mouvement syndical dans la police nationale. Là, il y a l'autre personnalité qui était présent dans la conférence de presse. Il y a M. André Michel qui fait qu'on est solidaire avec le syndicat police là et il demande population tout, les mêmes tout pour accompagner membres structure si là, M. André Michel. Nous là en tant qu'avocat, c'est pour apporter toute notre solidarité au SPNH 17 qui sont structures syndicales qui dans la police cap bataille pour policiers capables de joindre des meilleures conditions de travail. C'est une structure cap bataille pour policiers joindre bon gens salaire, pour joindre caille pour priorité, pour joindre manger pour famille, pour joindre matériel pour la population en sécurité. Nous là parce que nous pas accepté que Léon Charles décide de craser la police, craser SPNH 17. Léon Charles mettait à vide recherche derrière tout dirigeant syndical. Il y aurait sa répression syndicale. Nous demandons tout syndicat pour porter coller avec SPNH 17. Nous demandons population pour lui accompagner SPNH 17 dans la bataille là parce que nous ne pouvons pas quitter Léon Charles craser la police. SPNH 17, ce n'est pas une association criminelle. Ce sont des policiers qui se battent pour obtenir de meilleures conditions de travail. Population doit supporter, nous toutes n'avons supporté, voilà pourquoi nous sommes là. Et nous allons attaquer par devant la justice les avis de recherche émis contre les membres du SPNH 17 parce que c'est fait en dehors de la loi. On ne peut pas accepter ça. C'est la répression syndicale, on ne peut pas accepter la répression syndicale en 2021. C'est ça, c'est méchanceté, ça c'est les méchanceté. Fantôme, attendez, écoutez, fantôme c'est monde qui mourit. Yo c'est des syndicalistes, c'est des monde vivant yo. Yo une institution, yo pas ou pas dire c'est fantôme. Ce n'est pas sérieux, ils veulent abattre le syndicat, ils veulent décapiter le SPNH 17. Ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Maître André Michel, t'as répondu à une question, correspondant à Port-au-Prince. Massiado Vilme, l'autre point d'actualité concernant le pays d'Haïti. Commission protestant contre dictature en Haïti a annoncé deux journées manifestation dans Port-au-Prince 28 et 29 mars Cap Vinla pour continuer dénoncer insécurité et respect constitution, manque respect pour constitution. Il y a un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Deux nouvelles journées manifestation sa yo a organisé dans objectif pour forcer chef l'État quitter pouvoir dans un contexte côté phénomène insécurité à Taïbanda en Haïti. Pasteur l'église protestant Gérald Forge a dénoncé sa liée exaction gouvernement en place la fait sous même population.
quel que soit rang social ou, et qui senti ou c'est une victime de ça qui a passé en Haïti, nous venons lancer un appel côté que nous pral faire une marche dans occasion anniversaire constitution. Et marche ça, li pas simplement gen rapport avec kidnapping, insécurité. Marche ça, li pral gen rapport également avec violation flagrante constitution. Et c'est une marche côté que nous pral dénoncer qui ça qui a passé en Haïti. Bon côté pal pasteur Louvio Duvernat dénoncé à titre de communauté internationale là qui selon ça dit a supporté président Jovenel Moïse alors que mandat arrivé dans Boutli depuis 7 février 2021. International li affiché par rapport à nous un comportement raciste. Même côté international a renforcé Dominicani, a bail Dominicani avion de chasse. Il a détruit tout ça comme institution dans le pays. C'est eux-mêmes en 1915 qui ont écrasé l'armée, remplacé par la gendarmerie. C'est lui-même en 1914 qui a aidé à écraser l'armée. C'est lui-même qui a encore aidé à écraser la police. Tout le monde, ça qui a passé dans la police, là, c'est pour un bagage comme ça, comme ça. Dans le cadre de deux journées de manifestation, ça, qui a annoncé la veille anniversaire de la Constitution haïtienne, pasteur Gérald Bataille a demandé la population pour venir participer en masse dans l'idée pour le gouvernement et toute communauté internationale là, une leçon. Nous lançons appel ça avec tout haïtien conséquent, quel que soit côté gouillé, venez joindre nous pour nous bailler le gouvernement ça. Avec international à mon épiation. Porte-parole matrice Libération, Antoinette Duclerc, précisé par coup manifestation ça qui programmé pour dimanche 28 et lundi 29 mars cap vini là. Par coup pour dimanche 28 là, n'a sorti champ de mars, n'a gè deux points rassemblement, place Constitution champ de mars, Carrefour Résistance. Champ de mars a passé près Carrefour Résistance, n'a monté Delma, n'a fait Delma 60, nous sorti Musso. Musso nous redescend Boudon pour nous tourner sous place Constitution encore. Pour lundi 29 mars, là, nous connaissons 29 mars, c'est l'anniversaire Constitution 1987. Là, je dis, la bataille pour nous respecter. C'est le 34e anniversaire Constitution 1987. Là. C'est ça qui fait notre plus focus sous place Constitution champ de mars. Là. Donc, tout le monde qui soudainement Pétionville, qui a sorti la plaine, tout a descendu dans le Carrefour Aéroport, Carrefour Résistance, et c'est Carrefour Résistance qui a venu joindre l'autre point rassemblement, champ de mars, sous place Constitution. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Merci Yves Manuel. Konya nous pralan ici aux États-Unis, côté yon fusillade, la cause 10 moun perdu la vie hier lundi. Plus de détails. We know of 10 fatalities. Chef police ville Boulder, Colorado, Maris Erol, dit Ahmad Al-Aliwi Alissa, 21 ans, qui était responsable fusillade côté 10 moun perdu la vie, et bien il trouvait l'hôpital côté la recevoir soin. Suspect là a fait face à 10 chefs d'accusation. Président Joe Biden qui t'a réagi sous fusillade, lancé un appel par le Congrès pour dire pour interdire les armes de guerre, les armes qui ont tiré en pile balle en même temps et boucher tout vide qui gagnait dans le système de vérification sous le monde qui capote les armes dans le pays. Fusillade l'arrivée 24 heures avant des positions qui ont fait jeudi mardi 23 mars 2021 dans la commission judiciaire Sénat sous contrôle des armes à règlement pour moun capable protéger. Chef police Villa Maris Erold précisé parmi moun ki mouri yo genyen policier Eric Tally qui t'est arrivé en premier sous scène incident. Officier Erold qui considéré Tally comme yon héros déclaré by journaliste dans yon rencontre avec la presse hier soir bieta suspect là nan men la police et enquête sous fusillade Colorado ka pran plusieurs jours et parler de 5 jours. Autorité yo poko konnen ki motivation ki ta expliqué fusillade Colorado.
Faut dire que Colorado, c'est un État qui est victime en bas plusieurs gros fusillades dans l'année qui s'est passée là, spécialement. Ça qui était fait en 2012 là, dans un cinéma dans Aurora, sans oublier attaque qui était faite en 1999 dans l'école dans Columbine. Fusillade hier lundi a arrivé une semaine après la mort 8 moun dans 3 studios massage dans Atlanta. Ça fait déjà 7 fusillades pour année ici aux États-Unis. Donc débat continue à faire sous question ça. Quand nous pour rejoindre Jean-Robert Philippe, il y a l'autre fois encore qui pourrait parler nous de immigration sous situation surtout dans les frontières que Mexique et États-Unis partagent avec Mexique. Jean-Robert Philippe. Effectivement, Jacqueline, et quantité d'immigrants qui débarquent sur les frontières augmente chaque jour, sortir dans l'adolescent pour vivre dans le petit monde. Son situation qui va administration rapide qui est sautée. Depuis l'administration américaine a déactivé le programme protocole protection pour les migrants au PPP, qui est les politiques qui étaient au Mexique là, plusieurs milliers de monde qui ont cherché asile aux États-Unis rentrer dans le pays pour présenter dossier devant un juge. Plusieurs milliers d'autres débarqués sous frontière avec espoir et capables d'entrer dans le pays. In my case, I've waited for my process and it'll be what God wants. José Raúl Estrada Sabala, qui vit dans un camp dans le sud de Juarez, parlait pour dire moins temps pour le processus là et la dépend de volonté de grand-mère là. Moi, c'est un parmi les gens qui n'ont pas essayé de traverser la frontière illégalement à cause de moi voulais entrer aux États-Unis avec un permis de travail. Dossier José Raúl Estrada Sabala, ensemble avec plusieurs autres, a géré de façon différente. Après l'administration Biden, n'a mette fin dans le programme ancien administration Trump-Lan qui était au Mexique. Emily Mendrala, responsable bureau hémisphère occidental, là, qui a parlé via Skype, déclaré que c'est une approche qui reconnaît la nécessité pour parler de racines problèmes d'immigration de façon compréhensive sur une période à long terme. En même temps, des qui devant nous sous frontière sud pays a changement sous façon nous discuter asile depuis mois février passé a déactivation programme nan bloqué plus passé 2000 monde sous frontière d'après données officielles organisation internationale migration. Pendant ce temps, quantité monde qui traversait frontière sud pays a illégalement a augmenté. En février 2021, département sécurité intérieure avec patrouille frontalière rapporté yo mette main sous presque 100 000 migrants et en pile parmi yo c'est ti moun qui pas accompagné avec parents yo. Député démocrate Enrique Oyar qui t'a parlé via Skype parlé pour dire quand ces moun m'a observé pi élevé jodi a comparé avec quantité nous té wè en 2019 et li pi élevé passé toute l'autre année yo. Chiffre qui bam tête chargée à cause ça aide me comprendre nous pour faire face avec une crise surtout avec pandémie. Jusqu'à présent administration Biden n'a kembe active titre 42 une mesure d'urgence qui était imposée ça gagne une année à cause pandémie qui empêchait monde entrer aux États-Unis. Voilà, c'est là n'a pété fin dans programme. Non, merci Jean-Robert Philippe sur information sur immigration administration Joe Biden a confronté jeune jodia. Moi c'est Jacques Belizère depuis studio 18 la Voix de l'Amérique. Bonsoir. Merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou avec patience. Moi pour aller m'a quitter non bras papa bon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ba la vie avec la santé. Bonjour bonsoir tout le monde n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir. Me ramasser paquet moi. Cause habitant pas misé la ville. M'prale, mais m'a kito nan bra papa bonji parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'ap croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.